Comment te dire, faut que tu lâches un petit pouce bleu pour la motivation et pourquoi pas pour un nouvel opus sur ce genre de vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux un deuxième épisode, ça serait vraiment sympa. Dis-moi ce que t'en penses et surtout lâche un gros pouce bleu, partage et commente. Alors pour la petite histoire, dans les années 90, il y a une fameuse Catherine Hentiger qui a donc fait avec plusieurs métaux, des journaux, des papiers, des petites inventions comme ça qui marchaient étonnamment bien à l'époque. Et donc elle a eu la licence pendant 8 ans pour cette création, tout simplement, parce que quand tu crées quelque chose, tu as une licence. Et après, après 8 ans, elle a fallu qu'elle débourse $400 donc pour renouveler la licence, tout simplement, pour que ce soit encore sa propre création. Elle ne les a pas donné, donc ce qui fait qu'elle a tout perdu. Donc elle a perdu sa création et en plus, bah, forcément, elle a été reprise derrière. Et ironie du sort, elle est pas trop bien financièrement. À quoi sert l'objet? C'est la question qu'on peut se poser forcément, parce que quand on voit ça, c'est tape à l'œil, mais à quoi ça sert derrière? Et bien tout simplement, apparemment, scientifiquement parlant, ça peut permettre aux gens de déstresser et aussi à certaines personnes complètement d'arrêter de fumer. Alors ça paraît quand même assez chelou. Comment ça marche? Et bien en fait, il y a 2-3 poids avec déroulement à billes encapsulés dans du plastique. L'effet qui est donné, c'est l'effet gyroscopique. Voilà tout simplement à quoi ça sert, à pas grand chose, à part peut-être déstresser, s'occuper l'esprit quand on n'a rien à faire, quand on veut s'occuper les mains. C'est en tout cas l'effet que ça donne aux gens. Après, pour les journaux et pour tous les médias, c'est un peu un jeu de débile mental, à ce que j'ai pu comprendre et lire. Et bah, tout simplement, non. Parce que je suis sûr que vous-même, vous allez en utiliser, ou que vos propres enfants vont utiliser ce genre d'objet. Car avec des puffs, ça peut être vraiment marrant, on peut essayer de se les donner. Voilà, quand on se fait chier, c'est peut-être mieux que de traîner la rue. Voilà. Vous pouvez trouver aussi plein de coloris. Voilà, il y a des différents ici et ici, par exemple. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a encore d'autres magnifiques, vraiment à mort. Vous pouvez les trouver entre 3 et jusqu'à très cher pour les grands fans et puis ceux qui sont rares en plusieurs coloris. Il y a vraiment de tas de coloris avec plusieurs effets et tout. Il y en a, ils ont que 2 branches, etc. Là, dites-moi si vous en avez, dites-moi si vous avez déjà fait des tricks de ouf. Notez les noms, pourquoi pas me donner les vidéos sur ma boîte email clementovales@gmail.com. Vous me les envoyez, comme ça, ça sera un plaisir de remettre peut-être pour un prochain épisode. À vous de me le dire, parce que je vais en recevoir certainement un autre et pourquoi pas en avoir d'autres après. Ils disent, bah c'est tout simple. Voilà, on le fait tourner comme ceci, ça peut donner des effets, on peut le tenir, voilà, des deux mains. On peut le tenir à un doigt comme ceci, on peut le jeter dans une autre main et tout, je vous montrerai après, ou je l'ai peut-être montré avant, je suis plus sûr. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, on peut le mettre sur tous les doigts, on peut le mettre sur le biceps, sur le pied, voilà, voilà, c'est vraiment tout simple. Ça tourne vraiment rapidement, ça tourne entre 2 minutes et il y en a même 30 minutes. Donc voilà. Moi j'aime bien le petit dernier que j'ai là, il est plutôt pas mal. Après il est peut-être moins stable. Voilà. Celui-ci par exemple est fait avec des billes et celui-ci est fait avec directement un roulement à billes. Là c'est directement des billes qui sont dedans. Tout simplement. Et il faut qu'il y ait le même poids pour que ça puisse tourner indéfiniment. Et voilà, c'est beau quoi. I'm going mainstream, flow like water, so I'm going... that the brothers on the rise now. Woo!